Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme Invoyance, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, on va faire une vidéo spéciale bilan pour les Gilets jaunes, l'acte 52. Donc dans cette vidéo, je vais parler notamment de Paris et peut-être, je sais pas, en fait je pense faire une deuxième vidéo pour parler de Montpellier parce que j'ai vu deux manifestations totalement différentes. Différentes, pardon, deux manifestations qui n'avaient rien à voir. Alors, du côté de Paris, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un très très gros nombre de gilets jaunes, assez impressionnant le rassemblement qu'il y a eu d'ailleurs par rapport à ces gilets jaunes. Un très très beau groupe, un très très beau groupe, c'est bien, mais voilà, la semaine prochaine il faudra beaucoup plus parce que je vous rappelle que ça sera les 1 an des gilets jaunes, donc il faudra beaucoup plus, mais c'était un excellent nombre, surtout voilà. Comme je le dis, je pense que cette manifestation, c'est un peu le calme avant la tempête, quoi. Je l'espère vraiment que c'est le calme avant la tempête. Et si c'est pas le calme avant la tempête, je pense qu'on aura notre réponse par rapport à ces manifestations, du coup. Donc je pense qu'on en attend beaucoup de la semaine prochaine. J'espère que beaucoup seront réunis, beaucoup viendront manifester justement cette semaine qui vient. Donc voilà. Et sinon, pour Paris, à part, hormis ce grand nombre, ce nombre extraordinaire, quoi, enfin extraordinaire, vous me comprenez, par rapport donc à la date surtout, à part ce nombre et l'unisson, on va dire, qu'il y a entre les gilets jaunes, le partage qu'il y a entre les gilets jaunes, honnêtement, hein, c'est pas pour vexer qui que ce soit, mais je vais être honnête avec vous. J'avais l'impression d'être soit un carnaval, soit à la foire de la saucisse. On m'explique pourquoi il y a des gilets jaunes. Ils sont là avec des couettes. Je parle des hommes déguisés avec des couettes. Ils sont là à jouer du tambour. Ils sont là à être joyeux, à chanter. En chantant donc cette fameuse chanson où ils disent, tout le monde dit, on est là. Je pense qu'au bout de 52 semaines, on a compris que voilà, qu'on était là, quoi. Qu'on était là. Je pense qu'au bout de 52 semaines, on a compris. Mais comment? Alors, le fait de chanter, ça, c'est un truc parce que voilà, on a l'habitude, ils chantent. Pourquoi pas? Après, on a le droit de faire ce qu'on veut. Mais le truc, c'est que j'ai pas compris chez les manifestants à Paris, en fait, c'est qu'ils avaient tous un sourire jusqu'ici. Ils avaient tous un grand smiley, je vous jure. Ils étaient, on dirait, ils étaient heureux. Alors, le fait d'être heureux de manifester, je comprends. Heureux de faire partie de ce groupe, je comprends. Mais une manifestation, c'est quoi une manifestation? C'est quelque chose qu'on fait lorsque on n'a pas ce qu'on veut ou les conditions qu'on veut ne sont pas là. On manifeste pour quelque chose, pour obtenir quelque chose. Et je suis pas sûr que Emmanuel Macron va bouger son cul en voyant des gens qui sourient jusqu'ici et qui sont contents, quoi. Il y a les tambours, il y a les déguisements, il y a les ballons, il y a les chants. Alors voilà, c'est pour ça. Ça, c'est pour Paris en fait. Maintenant, je vais parler de Montpellier, mais comme j'ai dit, je fais une deuxième vidéo pour Montpellier. Montpellier, c'est tout à fait l'opposé. Montpellier, ils ont été géniaux. Voilà. Donc, si tu veux voir le bilan sur Montpellier, n'hésite pas à cliquer sur mon autre vidéo où je vais parler plus en détail de Montpellier. Montpellier, c'était bien. Montpellier, après, il y a eu aussi des points faibles, mais Montpellier, ils étaient géniaux, vraiment. N'hésite pas voilà, à liker la vidéo, à la partager si celle-ci t'a convaincu, voilà, et t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos, notamment celle donc du bilan acte 52 Gilets jaunes sur Montpellier.